Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'On n'est pas des moutons. Aujourd'hui, nous parlerons football. Au fil de l'émission, nous partirons donc à la rencontre des jeunes joueuses et joueurs du Finistère pour parler de leur passion et de la place qu'elle prend dans leur vie. Donc on chausse tout de suite les crampons pour se rendre à l'entraînement des joueuses de l'AS d'Irinon. Bonjour les filles. Bonjour. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Yuna, j'ai 13 ans et puis en fin d'année, ça sera ma 8e année de saison. Moi, je m'appelle Laurine, j'ai 13 ans et cette année, ça fera ma 8e année que je fais du foot. Je m'appelle Talia, j'ai 13 ans, je fais du foot depuis, ça va faire 7 ans cette année et voilà. Qu'est-ce qui vous plaît tant en fait dans le football en général ? C'est agréable et ça détend. Quand on est stressé, ça détend beaucoup. Je trouve que c'est un moyen d'oublier des fois ce qu'on pense, que c'est une sorte de plaisir, on est lâché, on est libéré, que ça fait du bien de pouvoir jouer, d'être libre sans se faire critiquer ou autre. Est-ce que vous avez ressenti du coup des progrès depuis que vous avez commencé à jouer en club ? Des exemples de progrès que vous avez pu faire ? Notre pied gauche, pour ceux qui sont gauchères ou droitières, notre pied faible, la vitesse, les dribbles, les passes et tout ce qui est les frappes aussi. Quand on s'entraîne bien, on est fiers de nous à la fin, mais il y a des entraînements où on peut avoir, mal quelque part, donc on est moins motivé. Et puis en match, on peut faire des matchs bien, des matchs pas bien. Mais en tout cas, il faut toujours essayer d'être fier de soi et puis se dire que si on n'a pas bien fait, la prochaine fois, on fera mieux, quoi. Enchaîne. Dédié autant de temps au foot, ça vous plaît malgré tout ou est-ce que c'est quand même un peu fatigant de temps en temps ? On fait quand même des déplacements de 2 heures de route, voire plus, ça dépend. On peut partir tôt, c'est quand même ce week-end, on va où ? Déjà à côté de Pontivy, on part à 7 heures d'ici. Et pour revenir, assez tard. Avec l'habitude, on s'y fait et puis ça nous plaît, donc c'est pas problématique. Vous pouvez du coup nous dire la date de votre prochain match ? C'est le 25 novembre à Dirinon. Si ça change pas, c'est 15h30 contre Ploermel. Voilà. Merci les filles du coup pour avoir répondu à mes questions. Evan Lecan est un jeune arbitre. Cette fonction qui demande de la rigueur et une bonne condition physique rythme son quotidien. Gaëtan l'a suivi à Saint-Renan sur un match de Coupe de France. Bonjour à tous, on est à Saint-Renan aujourd'hui pour un match de la Coupe de France. On va interviewer Evan qui est l'arbitre de ce match. C'est parti! Bonjour Evan. Bonjour. Donc peux-tu te présenter ? Bonjour, je m'appelle Evan, j'ai 22 ans, je suis originaire de Landerneau et du coup je suis arbitre de football depuis maintenant 8 ans et parallèlement je fais des études dans le sport à Rennes. Donc quelles sont les principales compétences et la rigueur qu'il faut pour être arbitre ? Les principales compétences, déjà je dirais qu'il faut aimer le football, il faut être un passionné de football, il faut aimer ça. Après on a parlé de rigueur, je pense que on doit montrer l'exemplarité et la neutralité sur le terrain, et puis après d'être le plus impartial possible et le plus droit possible. Je me focalise vraiment sur la performance que j'ai à réaliser plutôt que sur le regard que les gens vont avoir de moi en fait. Et l'arbitrage réellement c'est ça. Oui. Vous restez drapeau en bas, vous continuez votre course jusqu'au poteau de corner sans sprinter, tranquillement si c'est dedans. Vous allez jusqu'au poteau de corner et on s'engage pas là parce que si je décide de la siffler dehors, c'est comme faire l'avion sur la touche, on est champion du monde. Aujourd'hui moi je m'entraîne quotidiennement et je suis suivi là-dessus. Je m'entraîne à minima 2 heures par jour. Si ce n'est plus, en enchaînant les matchs les week-ends. T'as de la chance de pouvoir te déplacer partout en France ?
Ouais, effectivement, j'ai pu me déplacer dans plusieurs endroits, dans plusieurs clubs, notamment mon stage de début de saison, il se passe au Centre National de Football de Clairefontaine. Puis après, voilà, on va dans des clubs un peu mythiques. J'ai eu la chance d'aller au Paris Saint-Germain il y a quelques années. Je suis allé il y a quelques semaines à Ajaccio et j'ai enchaîné par Bordeaux. Donc c'est vrai que c'est très chronophage et ça prend énormément de temps. Mais par contre, quand la passion nous rattrape, évidemment, on oublie toutes les contraintes organisationnelles que peuvent nous imposer l'arbitrage. J'étais quelqu'un de très timide par le passé. Aujourd'hui, je vais être amené à gérer 22 acteurs pendant la rencontre et avec un environnement qu'il y a autour, etc. Et pour quelqu'un de timide, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Du coup, j'ai énormément appris et j'ai énormément mûri avec l'arbitrage. Ouais. Merci pour cette interview et au revoir. Merci beaucoup, merci à vous, au revoir. Le centre social Couleur Quartier propose toutes les semaines aux jeunes du quartier de Kérourien à Brest un créneau futsal. Ces moments connaissent de plus en plus de succès et offrent un bon moyen de renforcer les liens entre amis. Exactement, on se réunit avec l'association de centre social Couleur Quartier pour pratiquer le futsal entre jeunes. Ce qui m'a donné envie, c'est de venir rigoler avec mes amis, parce que c'est vraiment drôle. Après aussi, c'est jouer au foot, car le foot, c'est une passion avant tout. À Kérourien, je me suis rendu compte que le foot, c'était vraiment une passion pour tout le monde. Et c'était un sport qui permettait à toutes les générations de pouvoir partager un bon moment. Ils apprennent quand même beaucoup de valeurs, comme le fair play, la solidarité qu'ils ont entre eux. Ils commencent aussi à apprendre les valeurs de l'organisation, parce qu'il y a certains jeunes, parfois, auxquels je confie des responsabilités pour l'organisation du créneau. Là c'est du foot en salle et les jeux sont plus réduits et ça nous permet d'améliorer notre technique, je trouve. Contrairement au foot, on travaille plutôt dans des grands espaces. On joue en équipe et tout, du coup on doit être ensemble et ça crée des liens et tout, cohésion d'équipe, tout ça. On revient des cours directement. Après, quand on a fini, on va directement au foot. Là, juste après, on va au foot en club. Moi aussi, j'ai pratiqué avec un club. Et après, avec le centre social, c'est comme ça pour pratiquer entre amis. Parce que dans un club, on peut pas se réunir entre amis avec toute génération. Et c'est pour ça. On évolue beaucoup déjà avec les générations différentes. Vu qu'il y a des plus grandes générations, on joue avec plus grands que nous. Après, c'est sûr que moi, mon but, c'est qu'ils progressent. Parce que plus ils progressent, plus ils se sentent compétents. Et plus ils se sentent compétents, plus ils sont en valeur. Ils se sentent un peu, ils sont fiers d'eux en tout cas, que ça reste un défouloir aussi. Un peu oublier les problèmes qu'il y a à l'extérieur quand on joue, voilà, c'est ça. Mais le but, c'est qu'ils viennent avec le sourire et qu'ils repartent avec le sourire. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe. Et tant que moi aussi j'ai le sourire, c'est que tout se passe bien. Bah moi, j'aime le foot depuis tout petit. J'ai vu mes grands frères pratiquer le foot et moi, j'ai suivi. Bah, dans toute ma famille, on a fait du foot depuis le plus jeune âge. Hein. J'ai commencé le foot à 6 ans. Pour moi, c'est vraiment une passion. Et je pourrais pas vivre sans foot, je pense. Maëlys est coach de l'équipe féminine du Plouzané Athletic Club. Romane l'a accompagnée lors d'un entraînement pour savoir ce qu'elle souhaite transmettre aux jeunes joueuses. Bonjour Maëlys. Bonjour. On est au Plouzané AC et tu es coach en foot féminin. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc moi c'est Maëlys Le Gall, j'ai 21 ans et je suis en CDI au PAC Foot depuis juin 2023. J'ai un mi-temps sur la direction du centre de loisirs et un autre mi-temps sur la partie foot. Qu'est-ce que ça représente de coacher une équipe, des enfants, tout ça? Ben déjà, il y a le côté où il faut préparer la séance, il faut l'animer. Ensuite, il y a tout ce qui est relationnel avec les parents, avec les enfants, parce qu'ils sont mineurs, donc déjà, ils ne peuvent pas venir tout seuls au match, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas tous les droits, etc. Il y a aussi le côté
sentimentale un petit peu qu'il faut gérer parce qu'il y en a qui arrivent, qui sont pas bien à la maison, qui veulent sortir de leur quotidien. Et c'est un petit peu ça qu'on essaye de faire valoir ici. À partir de quel moment tu as décidé d'en faire ton métier ? Moi j'ai fait un bac STL. Donc c'est un bac sciences et technologies de laboratoire, donc ça n'a rien à voir avec le foot et ça ne plaisait pas du tout. J'ai fait une reconversion donc dans le sport où j'ai fait un BPJEPS APT, donc activité physique pour tous, en alternance ici au PAC Foot et c'est comme ça que m'est venue ma passion du foot et du coaching. Est-ce que tu fais autre chose en dehors du coaching féminin ? Je coach aussi une équipe de fit foot, donc c'est du renforcement musculaire avec un ballon, c'est une variante du foot diversifié qui est en cours de développement et c'est de l'entretien physique avec des personnes de plus de 35 ans. Je suis aussi joueuse du coup le dimanche en équipe senior ici au PAC Foot. J'ai toujours vécu foot, je mange foot, je dors foot, je regarde du foot quand je suis pas ici sur les terrains. Mon samedi je le passe ici, mon dimanche je le passe ici en plus de mon travail, donc c'est un petit peu mon quotidien et ma passion, ouais. Est-ce que tu penses que le foot permet peut-être aux jeunes de développer des valeurs, tout ce qui est le travail d'équipe, ce genre de choses ? Nous ici, on leur apprend beaucoup le fair play, la cohésion d'équipe, même les valeurs du sport, etc. Parce qu'en ce moment, il y a plein de racisme, de harcèlement, etc. dans tous les sports. Et on essaye vraiment de sensibiliser à tout ça ici. Eh bien, je te remercie Maëlys d'avoir répondu à nos questions. Je te souhaite une bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir. C'est terminé pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain avec une émission spéciale cuisine. À bientôt.